soit. It says, I am the Lord your God, and there is no other. Il dit, je suis l'Éternel votre Dieu, et il y aura. And my people shall never be put to shame. Et mon peuple ne sera jamais honni. But I really love verse 28. J'aime tellement le verset 28. It says, and it shall come to pass afterward. Il dit, après cela, il arrivera. That I will pour out my spirit on all flesh. Que je répandrai mon esprit sur toute chair. I truly believe that after this year and this conferences that we are experiencing. Je crois que après cette conférence. As we are believing that this year is the year of consolation. Lorsque nous croyons que cette année est l'année de consolation. And restoration. Et restauration. I believe that there is going to be a time where we're going to experience the genuine power of the Holy Spirit in this church. Amen. Je crois que il arrivera un temps où nous allons expérimenter la vraie puissance du Saint-Esprit. In the same way that they experience restoration in their lives. De la même manière que eux aussi ils ont expérimenté la restauration dans leur vie. So shall we. Ainsi sera-t-il. Amen. So I want us to take just a minute. Donc je veux prendre seulement a strong minute. Une minute solide. We're going to begin to declare things over our lives. Que nous allons commencer par déclarer des that choses we are sur nos declaring vies. A year of restoration. Nous serons en train de déclarer une année we de restauration. We are declaring a year of consolation. Une année de consolation. Amen. Can we begin to declare? You're the prophet of your own life. Tu es le prophète de ta propre vie. I want you to take that 1 minute because just 1 minute je veux in the presence of God can change your life. I want you to begin to declare. Je veux que you know your life more than I do. Tu connais ta vie plus que you know the area in your life that needs restoration. Tu connais les espaces de ta you vie know, you know the area in which you need the comfort of God. Tu connais les endroits de ta vie begin to prophesy and declare over your life that things are commence going to come to pass. Les choses de Dieu sur ta vie. You are declaring. Tu es en train de déclarer. You are making confessions over your life. You are declaring over your family. You are declaring over this church. You are declaring over your kids. You are declaring over your marriage. You are declaring over your business. You are declaring over your career. You are declaring over your studies. You are making declarations. You are declaring that God is bringing restoration, complete restoration, that the power of resurrection, that the things that died in us, even the gifts of the Spirit, the fruits of the Spirit, the restoration of the secret place, our finances, everything will be restored in this year, that we will walk away. Oh, that the Lord will walk away from this year completely restored, completely comforted, because we have experienced His presence. You are declaring things up. You are prophesying over your life up. You are declaring things over your family. You are believing that God is turning things around. That new things are coming forth. Because the Lord Himself said, that behold, I will do a new thing. And He is doing new things in our lives this year. You are declaring new things in your life. New things in your destiny. New things in your marriage. New things. Amen. 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 Do we believe that God has heard our prayers tonight? Est-ce que vous avez cru que Dieu a écouté nos prières ce soir? If we believe that, I want us to shout and begin to clap and begin to give glory to God as we welcome the choir who's going to lead us in worship. Amen. La chorale qui vont nous. Amen. 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 Combien croient que c'est une année de restauration? How many people believe this is a year of restoration? Tu vas bien lever ta main. If you believe it, you will raise your hands. Well, do you believe it? It's a year of restoration. Can we applaud the Lord well? Can we applaud Jesus, the King of glory? He's worthy to receive the honor. Once again, we welcome you in God's presence. And we welcome all those that are following us on social media. This is our fourth day of our week of prayer. And it is called 1 week at the feet of Jesus. Tonight we will exalt His holy name. The theme of this week is to know Christ and the power of His resurrection. And we know that if Christ did not die on the cross, our life will be nothing. If Christ did not give His life for us, we would have been lost in this world. That is why we will testify tonight and declare through these songs that I will speak of your goodness, your faithfulness, and I will say loudly what you have done for me. So join us tonight.
stand up. Nous allons simplement déclarer. We're going to simply declare. Unless you're sick in your body, sinon please raise soir. To your feet and let's praise him tonight. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut.
t'a donné l'être et le mouvement. Ce soir, il est digne de recevoir l'adoration. Il est digne de recevoir l'exaltation. Il n'y a point de Dieu comme lui. Oui, pendant que tu l'acclames, commence à exalter son Saint-Nom. Commence à le bénir. Dis-lui combien il est merveilleux. Dis-lui combien il est amour. Yahweh, ce soir, nous voulons t'adorer. Ce soir, nous voulons t'exalter. Car il n'y a point de Dieu en dehors de toi. Yahweh, ton amour pour nous n'a point de fin. Tu nous as aimés le premier. C'est pourquoi ce soir, nous sommes là. Pour reconnaître combien tu es bon. Yahweh, sans toi, ma vie serait sans issue. Yahweh, sans toi, je serais perdu dans ce monde. Mais à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde, je peux me tenir et déclarer que tu es mon Dieu, que tu m'as aimé, Seigneur, parmi tant d'autres. Ce soir, mon âme t'adore. Ce soir, mon âme t'élève. Ce soir, mon âme t'exalte. Yahweh, tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir l'élévation. Oh, que ton nom soit loué, Jésus. Yahweh, nous t'élévons. Aveugle dit,
toi qui es mort et qui es ressuscité. We worship you that died and resurrected. Nous te célébrons, we toi le vivant. As the living one. Et nous sommes là en ta présence ce soir. And we are here tonight in your presence. Assurés que tu es avec nous, Seigneur. Et prêt à recevoir de toi. Prêt aussi à te donner, Seigneur. Also ready to give to you. Nous sommes là dans un soir, Seigneur. We are here tonight. Comme, non pas comme à l'habitude. Not as usual. Mais nous voulons être touchés par toi. But we want to be touched by en un instant. In a moment. Et d'une manière extraordinaire. In an extraordinarily way. Sois élevé pour Jésus, notre Seigneur. Be lifted, Jesus. Sois élevé pour le Saint-Esprit, le Consolateur. Sois élevé pour la révélation de ta parole. Seigneur, nous t'adorons. Lord, we worship you. Et nous proclamons Hosanna, and we proclaim Hosanna à l'agneau immolé. To the Lamb that is slain. Hosanna, Hosanna au ressuscité du troisième jour. Hosanna, au Dieu qui est imbattable. To the unbeatable God. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous embrassons ta présence. Et nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Tout-Puissant, notre Dieu, qui règne à jamais. Bonsoir, frères et sœurs. Good evening to you. Est-ce qu'il y a la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir? Is there joy in the presence of the Lord tonight? Dieu est présent au milieu de nous. God is here with us. C'est sensible. It is sensitive. Et je suis convaincu. And I am convinced. Que cette semaine ne nous laissera pas les mêmes. That this week we will not be left the same. Acceptez donc que nous lisions la parole de Dieu ce soir. We'll read the word of God tonight. Dans Philippiens chapitre 3. In Philippians 3. À partir du verset 9. From verse 9. Philippiens chapitre 3. Philippians 3. À partir du verset 9. From verse 9. La Bible est en train de déclarer the Bible declares, et d'être trouvé en lui and be found in him, non pas avec ma justice not having a righteousness celle of my qui own, vient de la loi that comes from the law, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, but that which is through faith in Christ la justice qui vient de Dieu par la foi the righteousness that comes from God through faith, afin de connaître Christ, that I may know Christ. Je répète, afin de connaître Christ. That I may know Christ. Je le publie, afin de connaître Christ. That I may know Christ. Et la puissance de sa résurrection. And the power of his resurrection. Et d'être trouvé en lui. And the to be found in him, non avec ma justice, not with my righteousness, celle qui vient de la loi, which comes from the law, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, but the one through faith in Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, the righteousness which is from God by faith. Alléluia. 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 Afin de parvenir en toutes choses conforme à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Je vais lire dans la version du Semer qui est ma version préférée. Let me read in this other version. Mon désir est d'être trouvé en lui. My desire is to be found in him. Non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi. Not with a justice acquired as mais avec la justice law, qui vient de la foi en Christ. The righteousness through faith in Christ. Et que Dieu accorde à ceux qui croient. And that God grant to they that believe. Écoutez, c'est ainsi que je pourrais connaître Christ. It is this way that I can know Christ. C'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection. Experience the power of his resurrection. Et avoir part à ses souffrances. And to partake in his sufferings. En devenant semblable à lui. Becoming like him. Jusque dans sa mort. Until his death. Afin de parvenir. That I may come, quoi qu'il arrive, whatever may happen, à la résurrection. To the resurrection. Parole du Seigneur. The word of the Lord. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu ce soir. We may be seated in God's presence tonight. Mon message ce soir est intitulé
The title of my message tonight, connaître Christ, to know Christ, un bien suprême, an ultimate asset. Connaître Christ, to know Christ, un bien suprême, an ultimate asset. En anglais, c'est bon. Dis-le en anglais. An ultimate asset. Pour moi qui fais l'économie, ça me dit beaucoup. It says more in economical terms. Un asset. An asset. Un asset. An asset. Un titre. Un asset. A title, an asset. Non, non. Tu vois, moi je t'ai compliqué maintenant. Ce que tu dis en anglais, c'est ce que je dis en français. An asset. Un asset. An asset. En français, on parle d'un titre, d'un actif. An asset. Voilà, c'est cela. Alors, je voudrais rendre grâce à Dieu en commençant le message ce soir. Let me thank God as I begin tonight. Je vous promets que nous avons un bon message. I promise you we have a good word. Et je vais prêcher avec force. And I will preach with strength. Avec assurance parce que assurance, je crois dans la parole de Dieu. Because I believe in the word of God. Je voudrais dire merci au pasteur I'd et like à ma pasteur. The pastor and the first lady. Et de manière particulière au pasteur. In a particular way, I want to thank qui m'a fait confiance pour le remplacer that trusted me to replace à cause him d'un empêchement qu'il a et qui ne lui permet pas d'être là ce soir avec of nous. A hindrance that make him be absent tonight. Et j'ai confiance en Dieu que vous n'allez pas être déçus. And I trust in the Lord that you will not be disappointed. Si vous attendiez le visage du pasteur, if you were waiting for the voyez-le pastor, à travers moi. See him through me. Amen. Amen. Donc on va partager la parole de Dieu. We will share the word of God. Et ce qui est bon pour moi, and what is good to me, c'est que ce texte de la Bible, is that this scripture of ce n'est pas Bible, la première fois que je le prêche, it's not the first time I'm preaching mais it, le message que je vais prêcher, je ne l'ai jamais donné. But this message I never preached before. Et pendant que je méditais cette parole, as I was meditating on this word, je me suis rendu compte qu'on peut en parler des heures et des heures. I realized that we can talk about it for hours. Et je veux le déclarer ce soir. And I want to declare it tonight. Connaître Christ, to know Christ, est mon bien suprême, is my ultimate asset. Lorsque j'introduisais ce message le dimanche, when I introduced this message Sunday, je parlais de la fierté que Pierre et que Paul avaient. I spoke of the pride that Paul had. Et il était en train de dire, and he was saying, je suis Paul. I am Paul. Je suis né à Tarse. I am born in Tarsus. Il y a des choses dont je peux me glorifier. There are things that I can glory in. Il y a des choses qui font ma fierté. There are things that I'm proud of. Aidez-moi à prêcher ce soir parce help que j'ai un bon message. Because I have a good message. Il y a des choses qui font there ma fierté. There are things that I am proud of. Je suis Paul. I am Paul. Mon nom n'est pas un nom parmi tous les autres noms. My name is not a name amongst all mais others. Mon nom est mis à part. But my name is put aside. Mon nom est Paul. My name is Paul. Et il est mis à part. And he's put aside. Parce que je suis de la tribu de Benjamin. Because I am of the tribe of Benjamin. Mon nom est mis à part. My name is put aside. Parce que je ne suis pas de n'importe quelle famille. Because I don't come from any other family. Je suis d'une famille influente. I come from an influential family. Je m'appelle Paul. My name is Paul. Je suis hébreu, né d'hébreu. I am Hebrew of Hebrews. Comme pour dire qu'il n'y a pas de métissage as en moi. As to say there's no mix in me. Je suis Paul. I am Paul. Je suis pharisien. I am I'm a Pharisee. Un homme zélé pour les traditions de mes pères. For the traditions of my father. J'observe avec rigueur la loi de mes pères. The law of my father. Je suis Paul. I am Paul. Je suis irréprochable. I am blameless. Quant à la loi. When it comes to the law. Je suis Paul. I am Paul. J'ai un zèle que les autres n'ont pas. I have a zeal that others do et not have. Et mon zèle a fait de moi le persécuteur de l'église. And my zeal made me persecute the church. Je suis Paul. I am Paul. Je ne suis pas n'importe qui. I am not anybody. Je suis un homme brillant. I am a brilliant man. Oh, quelqu'un dirait c'est dans notre monde aujourd'hui. Maybe in our world today someone could je say. Je suis un Nobel. I am a Nobel Prize winner. Je ne suis pas comme tout le monde. I am not like everyone. Je suis un homme distingué. I am a distinguished man. Et ces choses sont pour moi and these things are for des motifs de fierté. Reasons for pride. Et c'est extraordinaire de dire ces choses. And it is extraordinary to say un these homme things qui se célèbre de cette manière, a man that celebrates himself this tout d'un way coup il s'arrête. Suddenly he stops. Il dit que les choses qui devaient être pour moi des motifs de fierté, he said these things that were reason of pride je for les me considère désormais comme étant de la boue. I now regard them as mud. Est-ce que je prêche avec am quelqu'un ce soir? To someone? Aidez-moi à prêcher. Help me, help j'ai un me bon message. Help aidez-moi me à le prêcher comme help je l'entends. Me preach this great comme
comme je le sens dans mon cœur ce soir. Help me preach. Les choses qui étaient pour moi. The things that were for me. Des sujets de fierté. Subjects of pride. Je les regarde désormais comme de la boue. I now look at them as rubbish. Comment Paul, toi qui es Paul? How can Paul? Toi qui es un apôtre. You an apostle. Toi qui es un homme influent. He an influence man. Toi un homme qui a un grand CV. He a man, a great man. Comment peux-tu considérer ton CV comme étant de la boue? How can he look at his resume and say l'apôtre est en train de nous dire. The apostle is telling us. Il y a un bien suprême. There is a supreme. Qui a fait que les choses qui étaient pour moi there des choses de fierté. That made the things that were ne sont plus right pour moi de la fierté. Now. Mais elles sont devenues de la boue. These things are rubbish for et me. La chose qui fait que ces choses deviennent de la and boue. The things that made them rubbish. Elle est une chose suprême. It's a higher thing. Et la chose suprême. And the supreme thing. C'est la connaissance. The ultimate thing is the knowledge Christ. Of Christ. Ce soir, je dis à l'église. Tonight, I'm telling the church. Ce soir, je dis à quiconque m'entend. Tonight, I'm telling whoever can hear la connaissance de Christ est un bien suprême. To know Christ is an ultimate asset. Je dis à quiconque m'entend ce soir. To whoever can hear me. Connaître Christ to know est Christ un bien suprême. An ultimate asset. Oh, je le crie. Again, I publicize it. Connaître Christ to know est Christ un bien is suprême. An ultimate asset. Je l'annonce. Let me announce connaître to Christ, know Christ est un bien suprême. Ultimate asset. Et celui qui parle ainsi, and he that speaks this il way, n'est pas un nouveau converti. He's not a newly born again. Celui qui parle ainsi, the one that is speaking, c'est un apôtre. Is an apostle. Que dis ce soir? Tonight, celui qui parle ainsi, the one that's speaking, c'est celui qui a écrit la majorité du Nouveau Testament. Is the one that wrote most of the New Testament. Celui qui parle ainsi, the one speaking, c'est un expérimenté dans le ministère. Is an experienced one in il ministry. S'arrête et il dit, he stops and says, il est un bien suprême, he is an ultimate asset, qui rend toutes les autres choses qui faisaient ma fierté, every other thing that made elles sont devenues de la boue, they became rubbish. Parce que cette chose-là est suprême. Because this thing is ultimate. Quand on parle d'une chose suprême, when we speak of something c'est that une is chose high, qui supplante celle qui existe. Is one that come to supplant the one that exists. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. I don't know about you. Mais moi, la Bible, les mots dans la Bible me parlent. But the words of the Bible speak to me. Quand on parle de quelque chose qui est suprême, when someone something is described as supreme, ça veut dire qu'il n'y a rien qui la supplante. It means that there is nothing above it. Dans un pays, lorsqu'on parle du président in de la République, country, when the president is le président de la République est appelé l'autorité suprême. The president is called the supreme authority. Pourquoi est-il l'autorité why suprême? Is he the highest authority? C'est parce qu'au-dessus de lui, il n'y a pas because une autre autorité. Above him, there is no other commander. Aidez-moi à prêcher ce help soir. Me preach tonight. Dans cette église, in this church, il y a un pasteur principal. There is a principal, a main je pastor. Peux prendre une décision, I can make a decision dans cette église, in this church, mais le pasteur principal, but the main pastor, il peut venir et abattre, arrêter, comment on dit encore, he can come et annuler ma décision. And cancel my decision. Pourquoi il peut annuler ma décision? Why can he cancel my decision? Parce qu'il est le numéro un. Because he's number one. Le numéro un, the number one, il a le pouvoir has the power d'annuler les décisions des autres others' decisions qui ne sont pas numéro un that are not number one. Parce qu'il a le pouvoir, because he has the power, il a l'autorité, he has the authority de pouvoir le faire, to do so. Parce qu'il est le numéro because he's number one. Ici, la Bible est en train de dire, the Bible is saying here, hallelujah, 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 la connaissance de Christ, the knowledge of Christ, elle n'est pas supérieure, is not superior, mais la connaissance de Christ, the knowledge of Christ, elle est suprême, is crowning.
Est-ce que je parle à la bonne Am église I ce soir? Speaking to the right audience tonight? Le pasteur peut prendre une décision. The pastor can make a decision. Qui casse ma décision. That breaks my decision. Mais le pasteur ne peut pas prendre une décision. But the pastor cannot make a decision. Qui casse la décision du Seigneur. That oversteps the decision Parce que of la the Lord. Décision du Because Seigneur the decision of the Lord est une décision suprême. Is a superior decision. Et la décision suprême And du Seigneur supreme decision elle of the s'oppose Lord. À quiconque est en dessous du Seigneur. Steps over anybody that's below Alors, the Lord. La Bible est en train de so dire the Bible is saying, connaître Christ, to know Christ ce n'est pas un bien supérieur. It's not a superior Mais aspect, connaître Christ, but to know Christ est un bien suprême. The ultimate Autrement aspect. Dit, Otherwise, il n'y a pas une autre chose qui peut la supplanter. Celui qui connaît Christ, il connaît Christ. La chose He suprême. Il possède thing. La chose He suprême. Thing. Et je ne sais pas si vous le comprenez de la même manière And que moi ce soir. Like Laisse-moi te dire ce soir. Let me tell you tonight, sur ta vie. In your life or upon your life. Même le manager que tu as au travail. Even your manager at work. La décision qu'il peut prendre. His decision. Elle n'est pas suprême. Is not supreme. Même les sorciers de ta famille. Even the witches in your family. La décision qu'ils peuvent prendre. The decisions they can make. Elle n'est pas suprême. Is not supreme. Même le président des États-Unis. Even the president of the United States. Je prêche à la bonne église ce I soir. I am preaching la to the décision right qu'il church, peut hope, prendre. The decision he can make. Elle n'est pas suprême. Is not supreme. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce soir? To a child of God un tonight. Enfant de Dieu a qui connaît le God Seigneur. That knows the Lord. Il possède avec lui. He possesses with him. La connaissance the knowledge suprême. The highest knowledge. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. It's as if you don't understand me. Mon frère et ma sœur, brother, sister, en connaissant le Christ, as knowing Christ, tu possèdes you have une puissance, a power, tu possèdes you have un bien, an asset, pas supérieur, not superior, mais suprême, but ultimate, highest. Elle supplante It supplants les autres choses que tu peux avoir. All the other things you may have. Dans Matthieu chapitre 13, verset 44, Matthew 13, 44, la Bible est en train de dire the Bible declares, le royaume de Dieu the kingdom of God est semblable à un trésor is like a treasure, enfoui dans un champ. Buried in a field. Un homme le découvre. A man discovers Il it. Le cache de nouveau. He hides it again. Il s'en va He leaves. Débordant de joie. Full of joy. Il vend tout ce qu'il possède. He sells everything he Et has. Puis il revient. And he comes back. Il achète avec lui le champ. He buys the field. Regardez que cet homme possédait des richesses. This man had riches. Mais lorsqu'il trouve le royaume But de when Dieu, he finds the kingdom of God, qui est semblable à un trésor, that is like a treasure. Les trésors qu'il avait, the treasures that he had before, deviennent peu de choses pour lui. Little to him. Il va aller vendre he le trésor qu'il avait, sell the treasures he had parce before. Qu'il a trouvé un trésor he has found a dont treasure. La valeur est plus élevée which value is higher que ce qu'il avait comme valeur auparavant. He had before. Je prêche avec assurance ce soir. Connaître Christ, to know Christ est un bien suprême. An ultimate Je vais asset. Le dire avec assurance. Let me say connaître it with Christ, to know Christ, c'est un bien suprême. An excellent asset. Je vais le prêcher jusqu'à ce que vous le compreniez. And let me, I will preach it que ça entre et que ça devienne, que vous le sentiez comme je le sens. Lorsque vous lisez la Bible, when you read the Bible, l'épître aux Hébreux, the epistle to the Hebrews, c'est une épître de la supériorité de Christ. Speak of the superiority of Christ. C'est ce que je prêche à la bonne église. L'apôtre Paul est en train de dire dans Philippiens chapitre 3, in Philippians 3, Apostle Paul is saying, je veux être trouvé en lui, I want to be found in non him. Pas avec ma justice, not with my own righteousness, celle qui s'obtient de la loi, one from the law, mais je veux être trouvé en lui, but I want to be found in avec him, la justice qui s'obtient par la foi, with the righteousness that comes from L'épître faith. L'épître aux Hébreux, Hebrews est une épître de la supériorité de Christ. Speaks of the superiority of Christ. L'épître aux Hébreux, the epistle c'est une épître the Hebrews de l'excellence de Christ. Talks about the
excellence of Christ. L'auteur du livre des Hébreux, the author of Hebrews, il veut montrer aux Hébreux qu'avoir Christ en soi Christ est supérieur à tout ce qui existe auparavant. Anything that existed before. Et ce soir, je veux dire à l'église, tonight I want to tell the church, connaître Christ, to know Christ est un bien supérieur, is a crowning asset, c'est un bien suprême, is an ultimate comparé asset, à tout ce qu'on peut avoir, compared to everything one parce que lorsque have, nous rentrons dans le livre des Hébreux, we go into the book of Hebrews, pour montrer la supériorité de Christ, superiority of Christ, la suprématie de Christ, the supremacy of l'excellence de Christ, the excellence of Christ, l'auteur est en train de le comparer. The author compares it. Quand il le compare aux anges, when he compares it to il the dit angel, que dans les temps passés, he said that in the olden Dieu days, nous a parlé God par les prophètes, to us through the prophets, mais en ces temps qui sont des temps de la fin, days, Dieu ne nous parle plus God par les prophètes, no longer speak to us mais through il the nous prophets, parle par son fils. But he speak to us through his son. Et qui est son fils? And who is his son? Il a établi héritier de toutes choses. He has been established the heir of lorsqu'il all nous things parle de l'excellence de Christ, when he speak of the excellency il compare Jésus aux anges, he compares Jesus Christ et to il the dit angels, que le Christ est supérieur and he aux said anges. That Christ is superior to the quand angels, il parle de Christ, when he speaks of Christ, il parle de Christ comme étant le prince. He speaks of Christ as the prince. Mais pas n'importe quel type not de prince, any other prince, mais le prince qui a été rendu semblable en nous en toutes choses. Je parle à quelqu'un ce soir et je dis que le Christ que nous invoquons, le Christ que nous connaissons, le Christ dont nous avons soif de connaître, il est suprême parce que c'est un prince qui est en train de partager notre nature. Et comme il partage notre nature, il a la puissance de nous venir en aide. To come to our rescue. Ce soir, il y a un secours qui est disponible. Le secours qui est disponible, il n'est pas disponible à tout le monde. Le secours qui est disponible, il est disponible pour les hommes et les femmes que Jésus n'a pas honte d'appeler ses frères. Et pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères? Il n'a pas honte de les appeler ses frères parce qu'il a été fait prince. Il a été fait prince. He's been made prince. Mais un prince semblable en nous en toutes choses. Je veux te parler ce soir en te disant, Jésus est le souverain sacrificateur. Jesus is the high priest. Mais pas n'importe quel souverain but sacrificateur, not any high priest, mais un souverain sacrificateur qui nous comprend. But a high priest that understands et parce us qu'il nous comprend, because he understands la Bible us dit approchons-nous de the lui Bible say, let's avec une ferme assurance, with a firm assurance pour pouvoir obtenir miséricorde, to obtain mercy, être secouru dans nos besoins. And to be helped in our needs. Je déclare ce soir que le secours est disponible. That the help is available. Je déclare ce soir que ton secours est en route. The help is coming je to déclare you ce soir declare que la connaissance de Christ, that the knowledge of Christ elle est suprême. Is supreme. Parce que nous avons pour nous quelqu'un because we have someone qui a été tenté comme nous en toutes choses. Like il n'a pas péché things contre Dieu. Il God a vaincu le diable he dans la chair. Il est sorti vainqueur he du tombeau. Il sait comprendre grave Dieu. He understands il God sait aussi nous comprendre. He understands us. Par conséquent, consequently, nous pouvons nous approcher de lui avec assurance. We can come near him with assurance. Jésus est suprême et supérieur. Jesus is supreme and superior. Parce qu'il est un souverain sacrificateur. Because he's a high priest. Qui n'est pas venu de la tribu de Lévi. That did not come from the tribe of Levi. Il est de la tribu de Judas. He is from the tribe of Judah. Mais il a été établi souverain sacrificateur. But he has been established high priest. Je ne sais pas si vous sentez les mêmes paroles que moi, je les sens. If you're getting this like I am. Il n'est pas de la tribu de Lévi. He is not from the tribe of Levi. Il est de la tribu de Judas. He's from the tribe of Judah. Mais il a été établi souverain sacrificateur. But he has been established high priest. Ne ratez pas ceci. Don't miss this. Avec un serment.
With an oath. Il a été établi souverain sacrificateur. Established high priest. Pas pour un temps. Not for a time. Mais de manière éternelle. Not but in an eternal Il a été établi souverain sacrificateur. Established high priest. Pas pour offrir des sacrifices une fois chaque année. Not to offer sacrifices once a year. Mais il a été établi souverain sacrificateur. But he has been established high priest. Comme celui qui a vaincu une the fois. The one that has overcame once. Pour toutes. For all. Je dis une fois. Once. Pour toutes. For all. Je dis une fois. Once. Pour toutes. For all. Je dis une fois. Once. Pour toutes. For all. Hallelujah. Et il a établi une alliance And parfaite. And he has established a perfect covenant. Dites-moi qui est meilleur que Jésus. Tell me who is better than Jesus. Quelle connaissance est meilleure que connaître le Seigneur? What knowledge is better than knowing the Lord? Quelle connaissance est plus élevée qui peut supplanter la connaissance What du knowledge Seigneur? Is higher than the knowledge of Christ? Ce soir, je veux crier avec l'apôtre Paul. Tonight, I want to shout with Apostle Paul. Je veux connaître Christ. I want to know Christ. Si tu veux te joindre à moi, If you want to join me, nous voulons crier, je veux connaître let Christ. Let us shout, we want to know Christ. Ce soir, Tonight, nous voulons connaître Christ. We want to know Christ. Dans ma vie, In my life, je veux connaître Christ. I want to know Christ. Il est le seul qui qualifie ceux qui ne sont pas qualifiés. He's the only one that can qualify they that are not qualified. Il est le seul qui appelle Gédéon qui n'a jamais combattu un seul combat, un héros. He is the only one that can call Gideon that il never salue, been in a fight dit, a hero. Vaillant héros. And call him mighty oh, la warrior. Bonne nouvelle, c'est que si Dieu the t'appelle vaillant héros, même si tu n'as pas encore combattu even un seul combat, yet, tu es réellement un vaillant héros. Oh. Yes. Il appelle les choses qui ne sont he point comme si elles étaient. Parce qu'il voit la fin avant Because le début. The il voit le début avant la he fin. Sees the beginning before, il est le commencement the et la fin. He is the beginning il est celui end. Qui qualifie he les hommes is the et les femmes. One that qualifies men and women. Si Dieu a dit tu vas y arriver, If God say you will get laisse-moi there, te dire tu vas y let arriver. Me tell you that you will get there. Oh, laisse-moi te dire tu vas y arriver. Let me tell you, you will get si there. Dieu a dit tu If vas God y arriver, that you will get there, laisse-moi te dire tu let vas me y tell arriver. You that you will truly get there. Si Dieu a dit tu vas y arriver, laisse-moi te dire tu vas y arriver. Si Dieu a dit tu vas y arriver, laisse-moi te dire que tu vas y arriver. Ce n'est pas une question de diplôme. Ce n'est pas une question de qualification. Ce n'est pas une question de qui te connaît. Ce n'est pas une question de networking. C'est une histoire de la grâce des dieux. Celle qui prend celui qui est faible et le rend fort. Celle qui prend le pauvre et le rend riche. Celle qui prend le timide et en fait un prédicateur de la parole. Celle qui fait d'un mal-aimé un homme et une femme qui devient le centre de tout le monde. La grâce des dieux, source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée. La grâce des dieux, source de salut pour tous les hommes. Elle est capable de qualifier les hommes et les femmes. Je parle de la connaissance de Jésus, le Fils des dieux. Je parle de la connaissance de Jésus, le roi de rois et le Seigneur des seigneurs. Je parle de la connaissance de Jésus qui ne regarde pas That does not look à ce que tu es to what you are, pour faire de toi ce que tu deviens to make of you what you'll become, mais qui regarde à ce qu'il est but look unto what he is, pour faire de toi ce que tu deviens. To make of you what you become. Il ne regarde pas à toi he doesn't look at you tel que tu es as you are, pour faire de toi ce que tu deviens in order to make you what mais you il regarde à lui-même but he looks at himself pour faire de toi to make of you ce que tu vas devenir what you will become. Parce qu'il est écrit dans les écrits Because it is written in the word. Dieu notre Père, God our Father, il nous a créés en Christ, he created us in Christ pour des bonnes œuvres for good works, qu'il a préparées d'avance that he has prepared in advance, pour que nous puissions les pratiquer. So that we may practice, je dis, we nous may a créés en Christ, apply them, created in Christ pour les bonnes œuvres for good works, préparées d'avance
prepare beforehand que nous puissions les pratiquer. So that we may bring them Je into parle existence. À quelqu'un qui se sent mal aimé. I'm speaking to someone that feels that they are not quelqu'un well liked. Qui souffre d'un manque de self-esteem. Someone that lacks self-esteem. Il y a des œuvres. There are works que Dieu a préparé d'avance that God has prepared beforehand pour toi, for you, pour que tu puisses les pratiquer. That you may manifest Je veux them. Te dire ce soir, I want to tell you tonight, tu n'es pas ce que tu parais être. You are not what you appear to be. Parce que dans le plan de Dieu, because in God's plan, il y a des œuvres, there are works qu'il a déjà préparé, that he has already prepared, pour que tu puisses les pratiquer. So that you may manifest them. Voilà pourquoi il dit à Abraham. That's why he tells Abraham. Je rendrai ton nom grand. I will make your name great. Est-ce que je prêche à la même église? Am I speaking to the right person tonight? Est-ce que je prêche à la bonne église? Am I speaking to the right church? Je rendrai ton nom grand. I will make your name great. Ça veut dire c'est moi-même. It means I. Je vais l'agrandir. I will make it great. Est-ce que je prêche à la bonne personne? Am I speaking to the Quand right Dieu people? Agrandit ton When nom. God makes your name great. Si moi j'agrandis ton nom, if I make your name great, je ne peux aller que là où I can only go so far. Mais si Dieu, but if God, le Créateur, the Creator, rend ton nom grand, makes your name great, jusqu'où il va aller, what is his limit? Tu mourras, mais on parlera encore even de toi. When you die, they will speak Les of générations you. Après toi, generations qui ne t'auront connu que par le nom, they would only know your name. Ils parleront de they toi, will speak of you. Parce que Dieu a rendu Because ton God nom has made your grand, name great. Grand, grand, great. Parce qu'il est le Dieu Because he is the God qui rend ton nom grand that makes your name great et dont la connaissance and whose knowledge est suprême is supreme est un bien suprême an ultimate asset. J'ai envie de chanter comme dimanche. I want to sing like J'aime Sunday. J'aime mieux avoir Christ. I want to see Christ. I'd rather have Christ. I'd rather have Christ. En fait, c'est une version francophone de la du chant est en anglais. This song is in English. Je préfère avoir Christ. I'd rather have Christ que les plus grands biens. Than the best asset. Je préfère the greatest avoir Christ asset. I'd rather have Christ que de millions. Than millions. Je préfère avoir Christ, I'd rather have Christ que la renommée. Than renown. Je préfère avoir Christ, I'd rather have Christ que tout le bien que ce monde peut me donner. Than all the possessions that this world can give me. Parce qu'avec Christ, Because with Christ, j'ai le centuple dans le siècle présent. I have a hundredfold in this Avec present Christ, century. With Christ, j'ai la vie éternelle. I have eternal life. Dans le siècle à venir. In the coming, y a-t-il une connaissance qui supplante celle-là? Is there any knowledge higher than that? Il n'y en a pas. There is none. Je dis il n'y en a pas. There is none. Je dis il n'y en a pas. There is none. Arrête de pleurer. Stop crying. Parce que bientôt, Because soon, tes larmes vont être une histoire. Your tears will become history. Arrête de pleurer. Stop crying. Parce que bientôt, Because soon, ce qui faisait tes larmes, what made you cry, ça fera ton témoignage. Will be your testimony. Je le répète. Again, ce qui faisait tes larmes, what made you cry, feront ton témoignage. Will become your testimony. Je le répète. Again, ce qui faisait tes larmes, what made you cry, feront ton témoignage. Will become your Je le testimony. Publie comme une prophétie. Loudly as a prophecy. Ce qui faisait tes larmes what made you cry deviendront ton témoignage. Your testimony. Parce que la connaissance de Christ, Because the knowledge of Christ est un bien suprême. Is an ultimate asset. C'est un bien suprême. Is an ultimate asset. C'est un bien suprême. Is a higher asset. C'est un bien suprême. Is a crowning asset. Il n'y en a pas un qui le supplante. There is none that can supplant it. Il n'y en a pas un qui le dépasse. There is none that's beyond it. Il n'y a aucune gloire qui la dépasse. There is no glory beyond it. La connaissance de Christ. The knowledge of Christ. C'est un bien suprême. Is an ultimate asset. Permettez-moi que ce soit je partage deux exigences. Let me share two requirements with you. De la connaissance de Christ. Of the knowledge of Christ. Et demain je vais partager un bénéfice. And tomorrow I will share one. De la connaissance de Christ. One. Première exigence. The first requirement. De la connaissance de Christ. Of knowing Christ. C'est être connu des dieux. Is to be known by God. Je me demande si je prêche bien ce soir. I wonder if I'm preaching right tonight. Parce que j'ai envie de vous faire sentir cette parole comme moi-même je la sens. Because I want you to get this word the way I get it. Ces paroles sont profondes. These words are deep.
Première exigence first requirement de la connaissance de Christ, of the knowledge of Christ, c'est être connu de Dieu. Is to be known by God. Être connu de Dieu. To be known by God. Être connu de Dieu. To be known by God. Dans Philippiens chapitre 3 verset 9. Philippians 3 verse 9. Paul l'apôtre. Paul the apostle. Paul le serviteur. Paul the servant. Il dit. He says, mon désir est d'être trouvé en is lui. To be found. Je me suis demandé, mais Paul, tu es déjà serviteur de Dieu. Paul, the minister, tu as déjà un grand bilan. You already have a great comment resume. Peux-tu le dire ainsi? How can you say this? Il dit, mon désir said, c'est d'être trouvé en to Christ. Be found in Christ. Alléluia. 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 Je me suis dit, mais wonder. Paul, arrête un peu. Paul, stop a little tu bit. Es déjà en Christ. You already in Christ. Comment toi qui es en Christ, what, how you tu peux déclarer you can declare que ton désir est d'être trouvé en lui. Is to be found ce soir, je dis à quiconque connaît le Seigneur that knows et naît de nouveau and be born again. Et à moi-même, prédicateur and de la parole, myself, the preacher of mon the word. Désir, c'est de connaître my Christ. Is to know Christ. Mon désir, c'est de my connaître Christ. Is to know Christ. Pourquoi mon désir est-il why de connaître Christ? Malgré mon expérience en Christ, mon désir est de connaître Christ. Christ. Parce que dans cette histoire matter, de la connaissance de Christ, Christ, on ne gradué jamais. You never graduate. Tu ne deviens jamais you never un gradué à l'école de la connaissance in the de Christ. School of the knowledge of Christ. Et Paul est en train de dire Paul is saying, mon désir est d'être trouvé en my lui desire is to be found parce in que him. Quand je me retrouve en lui because when I am found je suis connu him, de lui. I am known by him. Et la grande question que je me pose ce and soir the great question I ask tonight, et que je voudrais te poser aussi and that I would like to ask you too, es-tu connu de Dieu? Are you known by God? Est-ce que Dieu te connaît? Does God know you? Est-ce que Dieu me connaît? Does God know me? Et ça, ça m'a fait bondir lorsque j'étais en train de méditer la and parole. And it made me jump when I was meditating. Mais encore, ça m'a fait bondir. It made me jump. Lorsque, lors de mon dernier voyage, when in my je last me suis retrouvé trip, avec d'autres serviteurs de Dieu avec qui on a servi Dieu il y a longtemps. I found myself with other people that we other servants of God that we served together. Et pendant qu'on partageait la parole de Dieu, earlier and as we were sharing the word of un God, un homme de Dieu a sorti ce texte. A man of God brought out this scripture. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. I don't know about you. Moi, il arrive de fois, but sometimes quand quelqu'un donne un texte de la Bible, when someone brings out a je me demande est-ce que c'est vraiment dans la Bible. I ask myself if this one parce que also moi je ne l'ai jamais vu c'est le cas de ce texte de la Bible that's the same for this Galates scripture. Chapitre 4 verset 8 à 9 Galatians 4, 8 to 9 Galates 4, 8 à 9 Galatians 4, 8 to 9 je voudrais m'arrêter I want to stop qu'on le projette let us have it on the board on va le lire ensemble we're going to read it together Galates Galatians, chapitre 4, verset 8 à 9. 4, 8 to 9. Est-ce qu'on peut le lire? Can we read it together? La Bible déclare. The Bible declares. Autrefois. Formerly. Ne connaissant pas Dieu. When you did not know God. Vous serviez des dieux qui ne le sont pas par leur nature. You were slaves to those who by nature are not gods. Mais maintenant. But now. Que vous avez connu Dieu. That you've known God. Arrêtons un peu. Stop a little bit. Let us stop. La Bible dit quoi? What does the Bible say? Mais à présent, but now, aidez-moi à prêcher. À présent que vous avez fait quoi? Now that you have done what? Que vous avez connu Dieu. That you have known God. Virgule. Comma. Virgule. Comma. Ou plutôt, or rather, que vous avez été connu de Dieu. That you have been known by God. Comment commencez-vous à vous retourner à ce pauvre rudiment auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore. How is it that you turn again to the weak and beggarly element to which you desire again to be in bondage? Je voulais faire une illustration avec Brother Lee. I want to make an illustration with Brother Mercy, Lee. Mais malheureusement, il est sorti. And Sister Mercy, who est-ce qu'il y a un couple qui est dans la salle? Went out? Is there a couple, another couple in the room? Un couple qui est dans la salle. Is there another couple in the room? Il peut avancer. Please come forward. La parole de Dieu est profonde. The word of God is deep. Alléluia. Alléluia. Papa Willy et maman.
J'ai oublié le nom. Father Willie and his wife. Merci. Qui a rencontré qui le premier? Who met whom the first time? C'est vous, hein? Vous l'avez connue avant qu'elle ne vous connaisse, hein? Did you know her before she knew you? Vous l'avez aimée avant qu'elle ne vous aime. Did you love her before she loved you? Vous l'avez désirée avant qu'elle ne vous aime. Did you desire her before she desired you? Alors, quand il a commencé à vous aimer là, when he began to love you, vous saviez qu'il vous aimait? Did you know that he loved you? Non, avant quand même. Come on. Avant, non. Jusqu'à ce qu'il a commencé à faire des choses. Not until he began to do things à sentir qu'il vous aime, that non? Made you think that he loved you. Regardez ce que la Bible dit. Look at what the Bible says. Autrefois, then, nous ne connaissions pas Dieu. We did not know God. Nous servions les autres dieux. We served other gods. Qui ne sont pas des dieux. That were not gods. Bon, je vais pas m'occuper de l'autre fois là. Let me forget about before. Ça ne m'intéresse pas. That does not interest me. Je vais m'occuper de à présent. I'm going to take care of now. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? What does the Bible say? À présent. Now. Que nous connaissons Dieu. That we know God. Regardez. Look. Quand ça a commencé, when it began, elle ne savait pas que she lui did le not connaissait. Know that he knew her. Elle ne connaissait pas que lui l'aimait. She did not know that he loved her. Mais à présent, but now, qu'est-ce qui se passe? What is going on? Elle le connaît. She knows him. Lui le connaît. He knows her. Mais lui dit quoi? But he says, maintenant, now, que elle me connaît, that she knows me mieux, better, maintenant, now, que je suis connu d'elle, that I am known of her. Il n'y a pas que le fait que moi je le connais. It's not just that I know him. Mais il y a une réplique au fait que but je le connais. C'est que je suis connu de lui. I am known of him. Ça fait clair? Do we understand? Merci beaucoup. Thank you. Alors la Bible est en train de dire. The Bible is saying, autrefois nous ne connaissions pas Dieu. Before, then, we did not know mais God. Maintenant nous connaissons but Dieu. Now we know God. Mieux encore. Better yet, maintenant nous sommes connus de now Dieu. We are known by God. Autrement dit, otherwise, la vraie connaissance de Dieu, the true knowledge of God, ce n'est pas seulement que nous nous disions que nous connaissons Dieu, we may know God, mais la vraie connaissance but the de true Dieu, knowledge of God, c'est quand nous sommes connus de when Dieu. We are known by God. Hallelujah. Et quand tu es connu de and Dieu, when you are known by God, ça devient pour toi quelque chose de précieux. It becomes precious to il y a un plus quand tu es connu there de Dieu. Extra when you are known la Bible God. Est en train de dire dans Matthieu chapitre 7, in Matthew 7 the Bible Matthieu 7, saying, verset 22 à 23, verse 22 la Bible 23, déclare, the Bible declares, au jour du jugement, on the day of judgment, nombreux sont ceux qui me diront, many are they that will Seigneur, tell me, Seigneur, Lord, Lord, Lord. Nous avons prophétisé en ton nom. We have prophesied in your nous name. Avons chassé les démons we en ton nom. Cast out demons in nous your avons name. Fait beaucoup de miracles en ton nom. We accomplished many je miracles leur déclarerai alors and I will tell them, je ne vous ai jamais I connu. Never knew you. Allez-vous-en. Leave me. Vous qui pratiquez le mal. You that practice étonnant evil. Ce texte est. Surprising this ces hommes et ces femmes. This men and women, ils ont chassé les démons. They cast out demons. Au nom du Seigneur. In the name of the Lord. Ils ont accompli des miracles. They accomplished miracles. Au nom du Seigneur. In the name of the Lord. Ils ont fait des choses. They've done things. Pour lesquelles nous nous battons aujourd'hui à for l'église. For which we fight today at parce church. Que le débat aujourd'hui à l'église. Because the debate today at church. Est un débat de puissance. It's a debate of power. Cette église là, that church, je vais la quitter I'm gonna leave that parce qu'il n'y a pas de puissance because là-bas. There's no power in that church. Et on cherche la puissance. And we are chasing et ces hommes et ces femmes power. Dans ce texte, and these men and women in ils this ont Bible, fait des œuvres de they puissance. Have done powerful mais things. Quand Dieu doit leur répondre, but when God answers il ne répond pas par les œuvres de puissance, he does not answer with the word, mais il répond par la connaissance. But he answers je with ne the vous knowledge. Ai jamais connu. Knew you. Parce que être connu de Dieu, to be known by God, ça fait toute la différence. Makes all the difference. Je dis être connu to de Dieu, known by God, ça fait toute makes la différence. All the difference. Ceux-là qui connaissent le Seigneur, those that know the Lord, ceux qui connaissent le Seigneur, those that know the Lord, ils sont connus de Dieu. They are known si by tu God. Connais le Seigneur, if you know the Lord, tu es connu de Dieu. You are known et by si God. Tu es connu de Dieu, and if you are known by God, c'est que tu connais le Seigneur. That you know the Lord. Et c'est quelque chose d'important. And this is something that nous is devons important. Nous battre, permettez we le langage. Fight. Allow nous me devons to nous battre we must fight pour être connus de to Dieu. Be known by God. Nous devons nous battre we must fight pour être connus de Dieu. To be known by God. Parce que quand nous sommes because connus de when Dieu, we are known by God,
Le reste devient facile. The rest is easy. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothy 2 verse 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothy 2 verse 9. La Bible déclare. The Bible declares. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et qui se détourne du mal, c'est lui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Bien-aimé. Beloved, la clé, c'est être connu de Dieu. The key is to be known by God. Je répète, again, la clé, c'est être connu de Dieu. To be known by God. Les personnes qui connaissent le Seigneur but everyone that knows sont the les Lord personnes qui sont connues de Dieu. Are known by God. La grande question, the great question, est-ce que tu es connu de Dieu? Are you known by God? Tu fais des signes et des miracles. You do wonders. Tu fais des prodiges. You do miracles. Mais est-ce que tu es connu de Dieu? But are you known by God? Est-ce que je suis connu de am Dieu? Am I known? Est-ce que nous sommes connus de are Dieu? Are we known by God? Et Jean chapitre 10 nous donne la réponse. John 10 gives us the answer. Comment pouvons-nous savoir how could we know que nous sommes connus de Dieu? That we are known by God. Jean chapitre 10, 14 à 15, et puis verset 27. John 10, 14 to 15. La Bible déclare, moi je suis le bon berger. I am the good shepherd. Écoutez la Bible, c'est qu'elle dit. Listen to the Bible. Je connais mes brebis. And I know my sheep. Et mes brebis me connaissent. And I am known by my own. Tout comme le Père me connaît, as the Father knows je me, connais le Père. Even so, I know je the donne Father ma vie pour mes brebis. I lay down my life for the ne sheep. Ratez pas ceci. Don't miss this one. Mes brebis écoutent ma voix. My sheep hear my voice. Je les connais. I know them. Elles me connaissent. And they follow me. Je répète. Again. Mes brebis écoutent ma my voix. Sheep hear my voice. Je les connais. I know them. Elles me connaissent. And they follow me. Ce qui fait la différence, what makes the difference, c'est être connu de Dieu. Is to be known by et God. Comment nous savons que nous and sommes how connus do de we Dieu? Know that we are known by God? Nous sommes connus de Dieu we are known by God lorsque nous savons reconnaître la voix when de notre we berger. Can hear the voice of les our brebis shepherd, du Seigneur the sheep of the Lord, connaissent la voix they de know leur the Seigneur. Voice of the Lord. Les brebis de Dieu, the sheep of God, elles connaissent knows la voix the du Seigneur. Voice of the Lord. Non seulement qu'elles connaissent la voix du not Seigneur, only do they know the voice elles of the Lord, écoutent la voix du Seigneur. They follow il y a une différence there is a difference entre entendre et écouter. Hearing and listening. Lorsqu'on écoute, when you hear, on donne de l'attention. You pay attention. Lorsqu'on écoute, when you hear, on peut même se déplacer à un moment donné you can even move at parce a que le milieu point dans lequel il y a du bruit, because where there is quelqu'un noise m'a appelé. Someone calls je n'arrive me pas à l'écouter. I cannot hear them. Je quitte le bruit. I leave the noisy je me place mets à part. I go beside. Parce que je veux l'écouter. Because I want to hear them. Dieu nous appelle, bien-aimés. God calls us. Dans la connaissance du Seigneur. In the knowledge of the Lord. À être capable to de l'écouter. Be able to hear him. Le problème avec la plupart d'entre nous. The problem with most of us. C'est que nous n'écoutons pas la voix du Seigneur. Hear the voice of the Lord. Quand tu connais Dieu. When you know God. Tu apprends à écouter sa voix. You learn to hear his voice. Quand tu connais Dieu, when you know God, tu apprends à faire attention à ce que Dieu you te learn dit to pay attention to what God tells ce qu'il you te dit à travers sa parole. What he tells you through his word. Ce qu'il te dit à travers ta conscience. Through your conscience. Ce qu'il te dit à travers le son de sa voix dans ton cœur. What he tells you through the ce qu'il te dit à travers la prophétie. What he tells you through tu prophecy. Écoutes Dieu dans ton intimité. You hear God in his in your parce intimate que celui qui time connaît Dieu, because the one that knows God, il est connu de Dieu, he is known by God, et il écoute la voix du Seigneur, and he hears the voice of the Lord, et par conséquent il se détourne du péché, and consequently il se détourne du mal, sin, parce they qu'il no appartient longer do au Seigneur, evil because they belong to the Lord. Ce soir ma prière à Dieu, my prayer to God tonight, pour moi, pour toi, for I and you, c'est que Dieu nous donne is that God gives us une oreille qui l'écoute, an ear that hears him. Que Dieu nous donne may God gives us une oreille qui an l'écoute, ear that hears him. La personne que tu connais, the person that you know, même si elle parle au milieu d'un brouhaha, even if there's a lot of noise when they speak, tu reconnaîtras sa voix. You will be able to know their voice. Parce que tu le connais. Because you know them. Si tu connais le Seigneur, if you know the Lord, tu écouteras sa voix. You will hear his voice. Parce que tu le connais. Because you know him. Et ça va avoir
la différence. Ça va faire la différence dans ta vie. In your life. Est-ce qu'on est ensemble? On dit amen. Amen. Deuxième exigence de la connaissance de Christ. Second requirement of the knowledge of Christ. Tourner le dos à la religiosité. Stop being religious. Tourner le dos à la religiosité. Stop being religious. Voyez comment l'apôtre Paul est en train de présenter la religiosité Look at dans ce how texte Apostle philippien. Paul talks about religion. Au verset 5 et 7. Philippians 3, la Bible est en train de dire, j'ai été circoncis le huitième jour. Circumcised on the eighth day. Je suis israélite de naissance. Of the people of Israel. De la tribu de Benjamin. Of the tribe of Benjamin. De pur sang hébreu. A Hebrew of Hebrews. Pour ce qui concerne le respect de la loi. In regard to the law. Je faisais partie des pharisiens. A Pharisee. La religiosité. Religion. Elle met une emphase sur l'apparence extérieure. Religion emphasis the outer. La religiosité, religiousness, elle met une emphase sur l'aspect extérieur qui plaît aux hommes. Appearance that pleases men. Je veux marcher comme ça I wanna walk like this pour qu'on voie que je suis saint. So that they can see that I'm je home. Veux aller dans un monastère, I wanna go to a monastery, dans un lieu de retraite, in a place of ne plus retreat, être en contact avec les gens no longer be in contact with people, pour que mes œuvres, ces œuvres-là paraissent les œuvres so de sainteté. These works can appear holy. Je suis un fils de pasteur. I am a child of et a pastor. Parce que je suis fils de pasteur, and because I'm a child je of a me pastor, donne un certain pouvoir dans le Seigneur. I think I have a certain authority in non, the Lord. J'ai été baptisé quand j'étais un enfant. I've been baptized since I was a child. Le fait que j'étais baptisé quand j'étais un enfant me donne des droits. It gives me rights. Je vais à l'église chaque dimanche. I go to church every Sunday. D'ailleurs, je suis parmi les premières personnes à arriver. I am among the first people to get there. Je donne ma dîme et mon offrande. I give my tithes and my offerings. Chaque dimanche. Every Sunday. J'aide les pauvres, les veuves, les orphelins. I help the poor. Bien-aimés, toutes ces choses sont bonnes. All these things are good. Mais c'est de la religiosité. But they are religion. Si à l'intérieur, if inside, tu n'es pas connu des dieux, you are not known by God, tu n'as pas une relation personnelle avec le you Seigneur, have no personal relationship with the Lord, c'est de la religiosité. It is true, it is ce simply sont des religion. Choses vides These are empty things et qui ne font aucune force devant le Seigneur. That have no strength before the Lord. La chose qui fait la force devant What le Seigneur, makes your strength before the Lord, c'est que tu le connaisses is that you know him. Et qu'en le connaissant, and by knowing him, tu produises les fruits dignes du Seigneur. You produce fruits que ta connaissance du Seigneur te rende fidèle dans les dîmes et les offrandes. Makes you faithful in que your ta connaissance du Seigneur fasse que tu lèves la main dans la prière sans cesse. Que ta connaissance du Seigneur te pousse à aider les veuves, may it push you les orphelins. To help the widows, que ta connaissance the orphans, du Seigneur may your knowledge of the Lord t'amène à l'église à temps, bring you to church on time, parce que tu es en train de répondre à Dieu. Because you are answering la religiosité, religion, c'est ça la réponse de la femme samaritaine. Is the answer of the Samaritan lorsqu'elle woman, rencontre le Seigneur. When she met the Lord, elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Said, are you higher, greater? Le lieu où il faut adorer Dieu, c'est à la montagne. The place, the mountain where we nos must pères worship. Ont adoré cette montagne. Our fathers worship mais up Jésus there. Ramène la femme Jesus brings this à woman la connaissance de Dieu to the knowledge of God. Et il lui dit, and he told si her, tu connaissais celui qui te parle, if you knew whom was, you were talking tu lui aurais demandé de l'eau, you would have asked him, et il te aurait donné de l'eau de vie, of water, and he would have given et you l'eau living qu'il te water. Donnerait and the water he would have given deviendrait you en toi une source, will become a source bien aimé dans le Seigneur in you. Beloved in the Lord. Quittons l'apparence, let us stay out of the appearances. Devenons des hommes et des femmes qui connaissent Dieu. Let's become men and women that know je God. Répète, quittons l'apparence. Let's leave the appearances. Devenons des hommes et des femmes Let's qui connaissent Dieu. Let's become men and women that quittons know God. Quittons l'apparence. Let's leave the appearances. Laissons l'Esprit de Dieu nous toucher de l'intérieur. Let's let the spirits of God touch et que le fruit from within que nous manifestons and the fruits that we manifest soit la conséquence be the consequence de l'œuvre de Dieu dans of nos the cœurs work et nos of God in our hearts. Lorsque la femme samaritaine a été touchée par when le the Seigneur, Samaritan woman has been touched by elle the a regardé Lord, le Seigneur et elle a dit quoi? She looked at the Lord and she says, le Seigneur lui a dit, d'ailleurs, le mari que tu as à la maison the n'est Lord pas ton mari. Her, the man you have at home is not even et your husband. Dit, je
reconnais que tu es un prophète. And she said, I acknowledge that you are a prophet. Mais le Messie doit venir. But the Messiah must Jésus come. Lui a dit, je suis le Messie. Jesus said, I am he. Elle a cru dans le Messie. She believed in Elle the a Messiah. Abandonné tout ce qu'elle avait là. She forsake everything Parce qu'elle a she was trouvé doing. Le bien Because suprême she found the qui est la connaissance aspect, du Seigneur. That is the knowledge Elle of est the allée Lord. Dire à tout she le village, to tell the whole village, venez voir, come, j'ai trouvé see, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-il pas le Messie? N'est-il pas le Messie? Et tout le village, ils sont venus vers Jésus et ils ont dit, ô femme, nous ne croyons pas à cause de ce que tu as dit, mais nous croyons parce que nous-mêmes, nous avons entendu, nous avons vu et nous reconnaissons qu'il est le Messie. Nous reconnaissons qu'il est le Seigneur. Nous reconnaissons qu'il est notre Dieu. Que celui qui est connu de Dieu, que celui qui appartient à Dieu, abandonne le mal, abandonne le péché, parce que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Je dis, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ce soir, tonight, je veux connaître Christ. I want to know Christ. Ce soir, tonight, j'ai soif. I thirst. Ce soir, tonight, ce que je connais de lui, what I know of him, ne suffit pas. Is not enough. Je ne veux pas que connaître des choses sur lui. I don't want to just know things about him. Mais je veux le connaître. But I want to know him. Je veux répéter ça. Again. Je ne veux pas que connaître des choses sur lui. I don't want to just know things of him. Mais je veux le connaître But lui-même. I want to know him tu peux himself. Connaître des choses sur moi. You may know things on me. Sans me connaître. Without knowing me. J'en rencontre plusieurs qui me connaissent. I meet many that know me. Qui connaissent beaucoup de choses sur they moi. They know a lot of things about me. Mais qui ne me connaissent pas. But they do not know me. Moi-même, d'ailleurs, je ne connais même pas. And that sometimes I don't even know. Mais ce soir, But tonight, nous voulons prendre une décision. We want to make the decision. Celle de connaître Christ. The one to know Christ. Je veux te connaître, Seigneur. I want to know you, Lord. J'ai soif. I thirst. Mes années de ministère ne comptent pas. My years of ministry do not ce count. Qui compte pour What moi, is more, c'est d'être trouvé en Christ. Is to be found in Christ. Je répète. Again. Mes années à l'église ne My comptent years pas. At church are nothing. Ce qui compte pour moi, What counts for me c'est de le connaître, is to know Christ, c'est d'être trouvé en is lui. To be found in him. Ce qui compte pour What moi, is important for c'est me de le connaître is to know him et d'être trouvé and en to lui. Be found Mon in désir him. My desire n'est pas de faire 40 jours de prière, pray for de faire 21 jours de jeûne. Ce ne sont pas de mauvaises choses. Those are not bad things. Ce sont des bonnes choses. Those are great things. Il faut les faire, c'est vrai. We must do them, mais yes. Mon désir le But plus my profond, desire, my greatest desire, c'est qu'à travers mes 40 jours de jeûne et prière, is that through my 40 days of prayer, à travers mes 21 jours through de jeûne et prière, days of prayer, je puisse le connaître. I may get to La know chose him. Qui m'intéresse, the important ce n'est pas d'être prédicateur. It's not to be a preacher. La chose qui m'intéresse, the one that is important c'est qu'en étant prédicateur, je le connaisse. La chose qui m'intéresse, c'est que le fait de le connaître fasse de moi un prédicateur de sa parole. Le fait de le connaître fasse de moi un adorateur que le Père cherche. Le fait de le connaître qu'il fasse de moi un chanteur, un musicien. Je ne veux pas être un musicien sans lui. A songster without him. Je ne veux pas être un serviteur sans lui. I don't want to be a minister without him. Je ne veux pas être acclamé sans lui. I don't want to be applauded without him. Je ne veux pas être aimé sans lui. I don't want to be loved outside of him. Je ne veux pas être apprécié sans lui. I don't want to be appreciated outside of him. La chose que je désire, What I desire, je veux le connaître. Is to know him. Je veux le connaître. Is to know him. Je veux le connaître. To know him. Je veux le connaître. I want to know him. Ce que l'apôtre Paul est en train de What dire. Apostle Paul is saying. Je ne regarde pas à mon apostolat. I don't look at my apostleship. Je ne regarde pas au nombre d'épîtres que j'ai écrites. I don't look at the books that I wrote. Je ne regarde pas I'm not looking au nombre de voyages missionnaires que j'ai fait. At the trips, the missionary trips that I made. La chose qui m'intéresse, What interests me, c'est d'être trouvé en lui. Is to be found in him. C'est d'être trouvé en lui. To be found in him. Non pas avec ma religiosité. Not with my religion. Mais avec la justice. But with the righteousness.
qui s'obtient par la foi en Christ. Ce soir, tonight, je veux que Dieu me compte, I want God to count me, parmi ses enfants. Amongst his children. Je veux que Dieu me compte, I want God to count me, parmi ses fidèles. Amongst his faithful. Ce soir, tonight, je veux que Dieu me compte, I want God to count me, parmi ceux qui lui appartiennent. Amongst those that belong to him. Est-ce qu'il y a quelqu'un, is there someone, qui a le même désir que that moi, desire the same thing as I? Il se lève. May they stand. Il commence à crier May à Dieu. May they begin to shout to God. Et il dit à Dieu. May they begin to cry out to mon God. Mon désir. Telling him, my desire is to know you. Est-ce que tu peux commencer à prier? Can you begin Parce que to moi, pray? Can you à begin prier? To pray? Can you begin mon to désir, pray? Seigneur, my desire, Lord, c'est de te connaître. Is to know you. Mon désir, Seigneur, my desire, c'est de te trouver en toi. Is to be found in you, mon Lord. Désir, my Seigneur, desire, Lord, c'est que tu me connaisses. That you know me. Comme ton serviteur. As your servant. Compte-moi. Non. Compte-moi. Count parmi les hommes et les femmes qui comptent pour toi. Women that are oh, je to prie you. Ce soir. Oh, Lord, I pray tonight pour que tu me gardes des hérésies. Count me. Je prie, Seigneur. I pray tonight pour que tu me gardes des pièges du diable. That you may take je me prie, away Seigneur. From the devil. Pour I que tu me gardes that you may take de me la religiosité. Je prie, Seigneur. I pray tonight pour que tu me gardes that you may take me des away choses d'apparence. Appearances. Je prie, Seigneur, tonight, avec un grand désir, desire, avec un grand souci, Seigneur, concern, donne-moi de te connaître, donne-moi de connaître le Christ. Christ. Je ne regarde pas mes années bring de foi, à mes années dans l'église. Seigneur, c'est de la boue devant Lord, moi. Ça me. Ne compte pas they devant moi ce soir. La chose qui compte what pour moi, je veux te connaître. To know you. Je veux te connaître. I want to know you. Je veux être trouvé en Christ. Je veux t'appartenir. Ce soir, j'embrasse tonight, ta connaissance. Tonight, j'embrasse ta sainteté. Tonight, I embrace your j'embrasse holiness. La liberté en tonight, Christ. I embrace j'embrasse liberty. La puissance embrace de Dieu. Your power. The power et je prie, God. Seigneur, Lord, pour que tu puisses aussi m'embrasser. That you may also connais-moi, Seigneur, me, par mon nom, by my name. Comme ton enfant, Seigneur, as your child, comme ton disciple, as your disciple, comme ton serviteur, as your servant, comme un homme juste, as a righteous celui woman, qui t'invoque et qui t'appelle, the one that calls et upon en qui il n'y a point de faute, no en qui il n'y a point de la méchanceté. There is no wickedness. En qui il n'y a point de choses que in tu n'aimes pas. There is nothing je prie au nom de Jésus to you. I pray pour mon Jesus frère name. Et pour ma soeur. For my brother and my sister. Connais mon frère, Seigneur. Know my brother, Lord. Connais ma soeur, know Seigneur. My sister, Lord. Connais chacun de know nous, Seigneur. Each one of us, Lord. Connais notre église. Know our church, Lord. Pointe-la de ton doigt. Pointe-la de ton doigt, Seigneur. Pointe to them, Lord. Comme ton bien précieux. As your precious assets. Comme ton bien sur lequel tu as tes as yeux. Your assets that you keep parce your que eyes ce soir, on. Seigneur, because tonight, Lord, nous sommes en train de confesser. We are confessing. Nous sommes en train de déclarer we are declaring que nous n'appartenons pas à nous-mêmes. That we do not belong to ourselves. Nous t'appartenons, we belong Seigneur. To you, Lord. Dis aussi, Seigneur, yes, Lord, que nous t'appartenons. We belong to you. Reconnais aussi, Seigneur, yes, Lord, que nous t'appartenons. We belong to you. Mets un sceau sur nous, Seigneur. Put a seal une on marque us. Mark qui us. Va déclarer au monde, to the world, visible et invisible, que nous t'appartenons. Parce que dans nos cœurs because ce soir, tonight, il y a un désir profond connaître Christ, être connu de toi. By you. Être connu to de be toi. Known by you. Être connu to de be toi. Known by you. Car c'est un bien suprême que nous ne voulons pas, ô Dieu de gloire, God of glory. Rater. We do not want to miss. Pas rien au monde. Pour rien au for monde. Nothing in the world. Pour rien au monde. For nothing in the world. Parce que nous avons trouvé en toi because in you we have celui found qui a les paroles de la vie éternelle. The one that has the world of nous eternal quittons life. Les choses qui nous enveloppent facilement. The things that rob us easily. Nous quittons le péché. We leave sin.
Nous quittons, Seigneur, la religiosité. Nous quittons, Seigneur, la superficialité. Nous quittons les apparences. Nous quittons, Seigneur, cette vie de l'extérieur où nous voulons impressionner les autres. Nous quittons, Seigneur, ces choses qui nous rendent forts dehors, mais faibles dedans. Nous voulons maintenant, Seigneur, être forts dedans, afin que la force intérieure se manifeste à l'extérieur par la puissance du Saint-Esprit, par la vertu de Dieu. Je veux te craindre, Seigneur, en public et en privé. Je veux te craindre, Seigneur, quand on me voit et quand on ne me voit pas. Je veux te craindre quand on m'acclame et quand on me méprise. Je veux, Seigneur, te craindre. Voilà pourquoi je t'invoque. Connais-moi. Know me, Lord. Connais-moi. Know me, Lord. Connais-moi. Know me. Connais-moi, Seigneur. Know me, Lord. Et donne-moi de te connaître. And grant me to know you. Donne-moi de te connaître. Grant me to know you. En écoutant ta voix. Hearing your voice. En écoutant ton cœur. Hearing your heart. Qu'à nouveau je t'écoute. That I may hear you again. Qu'à nouveau je t'écoute. That I may hear you anew. Qu'à nouveau, Seigneur, je t'écoute. That Lord, let me hear qu'à you. Qu'à nouveau again. Mon cœur prenne plaisir let à ta loi. Hear my heart. Qu'à nouveau mon cœur prenne plaisir aux choses qui te font plaisir. Que je me réveille la nuit pour prier. Let me wake up in the midst of the night to pray. Que je prie, Seigneur. That I may pray, Lord. Au milieu de mon travail. In the midst of my work day. Que je t'écoute. That I hear you. Lorsqu'il y a du bruit autour de moi. In the midst of the noise, je t'écoute. That I may hear you. Lorsque le silence est autour de moi. When I'm surrounded by silence. Tiens-moi. Hold me. Tiens-moi. Hold me. Il y a du bruit dans le monde. There is noise in the world. Mais dans le bruit du monde. But in the midst of the noise of the je world. Je veux discerner la voix de I mon want maître. To discern the voice of my shepherd. Je veux discerner la voix de mon Seigneur. I want to know the voice of my Lord. Et m'y attacher. And cling et m'y attacher. To it. And cling to it. Je veux être minoritaire. I want to be the minority. Mais attaché à toi. But clinging unto you. Mais attaché à toi. Clinging unto you. Je quitte la compromission. I leave behind compromise. Je quitte la compromission. I leave behind compromise. Je quitte les yeux des hommes. I leave behind the eyes of men. Je quitte les yeux des femmes. I leave behind the eyes of women. Pour m'attacher à Christ. To attach myself to Christ. Parce que mon désir. Because my desire. C'est d'être trouvé en toi. Is to be found in you. Non pas avec ma justice. Not with my righteousness. Mais avec ta justice. But with your righteousness. Prends-moi. Make me. Prends-moi. Take me. Mon culte devienne agréable may à my Dieu. Worship be acceptable to you. Et que moi-même, and that I je devienne un culte. Become a worship. Un culte que tu agrées. A worship that is acceptable to prends-moi. You. Prends-moi. Take me. Fais de moi un culte. Make me a worship. Un culte que tu agrées. A worship that is acceptable to je you. Je m'offre à toi. I offer myself unto you. Je m'offre à toi. I give myself to you. Je m'offre à toi, Seigneur. I give myself to you, Lord. Je veux oublier les choses dont j'ai besoin. I want to forget all the things that I need. Pour te désirer, toi. To desire you alone. Toi seul. You alone. Toi seul. You alone, Lord. Toi seul. You alone. Toi seul. You alone. Toi seul. You alone, my Lord. Toi seul. You alone, my Lord. Toi seul, you Seigneur. Alone, my Lord. Parce que toi seul compte pour because moi. Because you alone is important for me. Tu comptes pour you moi. You are important for me, Lord. Seigneur, je le déclare devant l'église. I declare before the church. Toi seul. That you alone. Tu comptes pour matter moi. For me. Tu comptes you pour moi. You alone matter to me. Tu comptes you pour moi. You matter to me. Connais-moi. Know me. Et donne-moi de te connaître. And grace me to know you. Je ne veux pas que des œuvres de puissance. I don't want to just do powerful deeds.
Je veux le Dieu des œuvres des puissances. I want the God of the powerful deeds. Remplis-moi. Fill me up. Remplis-moi. Fill me up. Remplis-moi. Fill me up. Remplis-moi. Fill me up. Remplis-moi, Seigneur. Fill me up, Lord. Que ma vie ne soit plus la même. May my life never be the same again. Que les fondements ne soient point renversés dans ma vie. May the foundation not be overturned in my life. Que la modernité. May the modernity of this world. Ne me vole pas mon fondement. Not rob me of my foundations. Que l'argent. May money. Ne me vole pas le fondement. Not rob me of the foundation. Que la renommée. May reputation. Ne me vole pas le fondement. Not rob me of my foundation. Seigneur. Lord. Je veux Jésus. I want Jesus. Mon désir est de le connaître. My desire is to know him. Mieux mon désir. Better yet. C'est d'être connu par my lui. Desire is to be known by him. Oui, prends tout. Seigneur, take it all. Take it all. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Surrender yourself to the Lord. Donne-lui tout. Give it all to him. Donne-lui tout. Give it all to him. Donne-lui tout. Give it all. Donne-lui tout. Give it all to him. Que lui seul puisse compter. May he alone matter. Que lui seul puisse compter. May he alone matter. Parce que si lui peut compter pour toi. Because if he matters to you. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. He will give you everything that your heart desires. Il te donnera ce que ton cœur désire. He will give you what your heart desires. Il te donnera ce que ton cœur désire. He will give you what your heart desires. Je tiens ici comme ton serviteur. I stand as your servant. Mais mieux que ton serviteur. But more than your servant. Je veux me tenir devant toi comme ton fils. I want to stand before you as your son. Pas pour moi seul. Not for I alone. Mais pour mon frère. But for my brother. Pour ma sœur. My sister. Pour l'église. For the church. Et je veux dire, Seigneur. And I want to say, Lord. Notre désir, our desire, c'est de te connaître. Is to know you. Plutôt, yet, notre désir, our desire, c'est d'être connu par toi. Is to be known by you. Donne-nous de te connaître. Grace us to know you. Parce que nous estimons. Because we want. C'est un bien suprême. We want this ultimate asset. Qui ne peut pas être supplanté. That cannot be supplanted. Par aucun autre bien by any other assets that we may have. Nous le recevons. We receive it. Nous le déclarons. We declare it. Nous l'établissons sur we la terre. We establish it upon the earth. Comme c'est établi dans le ciel. As it is established in the heavens. Et nous abandonnons. And we give up. Les
choses qui nous retenaient. The things that were holding us back. Parce que nous reconnaissons. Because we acknowledge. Que tu connais. That you know. Ceux qui t'appartiennent. Those that belong to you. Et ceux qui t'appartiennent. And those that belong to you. Ils écoutent ta voix. They hear your voice. Donne-nous d'écouter ta voix. Grace us to hear your voice. Et de te suivre. And to follow you. Que l'Éternel vous bénisse. May the Lord bless you. Qu'il vous garde. May he keep you. Qu'il attire encore vos cœurs à lui. May he bring your heart to him again. Qu'il exerce votre oreille pour l'écouter. May he apply your ears to hearing him. Et qu'il vous fasse. May he make you. La grâce. The grace. De le connaître. To know him. Mieux. Better yet. D'être connu par lui. May he grace you to be known by him. Que cette grâce soit sur toi. May this grace be upon you. Sur ta maison. Upon your home. Et sur tous ceux qui te sont attachés. And upon all those that are attached to you. Que cette grâce soit sur cette église. May this grace be upon this church. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous avons déclaré ces choses. We have so declared. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous allons continuer demain. We're going to continue tomorrow. Mais pour le moment, nous apportons nos dîmes et but nos offrandes. For now, we'll bring our offerings in tithes. Et si tu ne nous as pas encore rejoint parce que tu es encore en ligne, if you have not joined yet, join us in person yet. Rejoins-nous. Join us. Parce que nous allons partir de gloire en gloire. Because we are going from glory to glory. Amen. Amen. Quelqu'un a été béni ce soir? Have you been blessed tonight? Gloire à Dieu. Glory to God. Donc communiquons le message. Let's share this message. Que nous continuons demain. That we are continuing tomorrow. 18h30, les portes de l'église sont ouvertes. The doors of the church will be open at 6:30. 19h, la prière corporative. 7 p.m. Collective prayer. Et après